Salut, salut! Oh là là, déjà plein de messages alors que le stream a à peine commencé. Bienvenue à toutes et à tous. Alors déjà, merci Chaos Farbotti pour le raid avec ses 23 personnes. Hades Gamer, et ben on devrait avoir un petit peu plus d'activité maintenant, si vous m'entendez bien en tout cas. J'en profite pour remercier très chaleureusement dès le début de ce stream Rancune et Manon qui viennent de resub. Ah, le son est un peu faible. Alors, on va augmenter ça alors. Hop. Est-ce que c'est mieux comme ça pour le micro? Est-ce que ça vous va? J'attends d'avoir quelques informations de retour sonore. J'espère que pareil. Ah. Bon bah écoute, on va pousser un peu. Hop. Et où est-ce que je peux pousser d'autres? En fait, ça va être la technique du je me mets plus près sans doute. Et de baisser un poil la musique. Alors. Baissons un peu la musique. Alors, du coup, moi, je vais plus l'entendre la musique, mais bon. Hop. Je dois être sourd en fait. Hop. Alors, pour toi, c'est trois fois plus faible que le son que tu avais tantôt avec Chaos. Alors, voyons voir ça. Pop. Alors, j'ai un autre. Il faut que je fasse gaffe, oui, je tape le micro, je vais le mettre un peu de côté. Voilà. Hop, ça. Ici, c'est pas fort, mais ça reste audible. Ok. Est-ce que je peux monter quelque part Parce qu'en toute sincérité, j'ai poussé le son sur OBS à fond. Est-ce que je peux... Alors, micro. Alors, est-ce que je peux monter... Si je le monte à plus de 100%, je crains que ça fasse... Allez, là j'ai monté à 110%. Est-ce que c'est mieux déjà? Est-ce que vous m'entendez un peu mieux? Et salut à toi d'ailleurs, Matt4429. Oui, justement, on est en train de régler ça, cette histoire de son. Et c'est 1-2-1-2. C'est pareil. Bah zut alors, hein, comment ça se fait? Alors bah, je vais carrément pousser encore un peu plus. Allez. Là, je viens de pousser à 130. Et là. Alors des fois qu'il faille fermer le truc pour refaire... Alors ça non, ça c'est l'audio du bureau, donc ça va être la musique. Ah, c'est mieux. Eh ben écoute, je vais monter dans ce cas-là. Ouais. Allez, je vais le monter à 140, comme ça sera encore mieux. Hop. Et là, cette fois-ci je parle trop fort, c'est ça? Est-ce que vous entendez aussi un peu la... Est-ce que vous entendez un peu la musique aussi? Parce que... Je fais l'effort de mettre un peu de musique. Au top. Ah, oh, nickel. Enfin, au top. Tu veux dire la musique aussi? Oui. Ah, oh, super. Génial. Très, très bien. Alors, du coup, bah, je vais recommencer, hein, parce que quand même... je vais recommencer. Donc déjà... Ah bah, Riser Robot qui pour lui est c'est inaudible. Je vais avoir du mal à m'accorder à tout le monde. Quand tu dis que c'est inaudible, c'est trop fort, c'est pas assez fort. Bah, Riser Robot, comment ça à contre-cœur? Oh, tu m'as même pas dit si c'était trop ou pas assez. Mais le son Riser.
Bref, donc, où en étais-je, moi? Oui, donc déjà, merci beaucoup pour le raid de Chaos Farbotti. Et puis, merci aussi pour leur soutien continu et inconditionnel de Rancune et Manon qui se sont resub. Alors, Rancune est à 4 mois. Ouais, 4 mois. C'est assez fou. Merci beaucoup. Et Manon qui est à 8 mois. C'est juste génial. Merci beaucoup à vous deux pour votre soutien de tous ces instants. J'en profite aussi pour vous recommander d'ailleurs la chaîne de Rancune qui parle plutôt d'électronique et qui est assez fantastique. Donc, en plus, Rancune qui en a rajouté une couche avec 100 bits. Donc, bah, merci encore. J'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve pour cette rentrée. Hein. On va aller continuer nos aventures Kubernetes. Alors, moi, avec les vacances, je ne sais même plus où j'en étais. Donc, ça va être encore très très drôle. On avait, alors, avant de démarrer dans le vif du sujet, un peu d'actualité, puisque donc je vais donc je stream. Alors, je reviens de vacances de stream et je vais devoir repartir bientôt pour cause de on va dire de déplacement professionnel. Donc, comme j'avais voulu le faire avant mes vacances de stream précédentes. Enfin, contrairement à ce que j'avais voulu faire justement avant les vacances de stream précédentes où j'espérais que j'arriverais à me mettre en place on va dire un setup de stream un peu plus mobile. Là, je le ferai pas parce que techniquement, c'est juste que j'ai pas de machine assez puissante pour tout simplement tenter de streamer depuis ailleurs. Et en plus, j'ai pu remarquer que niveau réseau, c'était pas toujours ça. Hein, je suis pas sûr que streamer en 4G ce soit parfait. Donc voilà, ce sera du coup. Alors là, la semaine qui vient, je vais streamer. Donc le stream d'aujourd'hui, il est là. Justement, Rancune, en gros, je vais faire une pause de un stream. C'est-à-dire que je stream aujourd'hui, je stream jeudi qui arrive, je stream le dimanche d'après, et en fait, le jeudi d'après, je ne streamerai pas. Et je serai revenu pour le dimanche. Donc voilà, c'est juste qu'il y a un stream qui va sauter du coup dans les 2 prochaines semaines, tout simplement. Ceci étant dit, alors du coup, c'est pas un stream Kubernetes, enfin. Si on a fini le sujet d'ici là, mais c'est pas un stream Kubernetes qui va sauter, c'est les streams labo Ascode. Donc l'occasion d'ailleurs de dire à toutes celles et ceux qui sont arrivés par le raid, en ce moment j'ai deux sujets que je vois en stream. Le dimanche en ce moment c'est du Kubernetes. Et le jeudi, on fait joujou avec un labo réseau virtuel, avec notamment du routage dynamique, des services réseau, bah, typiquement HTTP, quand je dis du routage dynamique, c'est par exemple du BGP, ce genre de choses-là. L'idée, c'est d'essayer de maqueter une partie d'Internet. Voilou pour la petite présentation vite fait. Bien, et ben maintenant on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Alors, Kubernetes The Hard Way. On avait fait, je crois, 2 streams avant la petite pause estivale où j'avais démarré Kubernetes The Hard Way et on va faire un petit récap. Qu'est-ce que c'est que Kubernetes The Hardway? Pourquoi? Et où est-ce qu'on en est? Alors, hop, je savais bien qu'il me manquait un truc. Hop. Alors oui, j'ai passé de bonnes vacances. J'ai fait...
Merci beaucoup pour le follow SilverStar95. Merci beaucoup, c'est très gentil à toi. J'en profite d'ailleurs pour signaler, nous sommes à 603 followers. C'est assez fantastique, merci beaucoup. Donc ouais, j'ai passé de bonnes vacances, ça m'a fait du bien. Mais je suis aussi content de revenir. Alors, Kubernetes The Hard Way, qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est en fait une documentation. Merci beaucoup pour le follow, Valcorion92, merci beaucoup à toi, c'est très gentil. Alors, move tab, new window, hop là, voilà. Et ensuite, on va pouvoir vous afficher ça, parce que, comme on dit, une image vaut 1000 mots. Hop, et on va passer sur ce truc-là. Alors, Kubernetes The Hard Way, c'est donc une documentation qui se trouve sur GitHub. D'ailleurs, je vais vous filer le lien. Hop, hop, et je vais en profiter pour le mettre aussi. Tiens, je le remets dans les liens du live sur Discord. Vous pouvez rejoindre le Discord de la chaîne, c'est écrit par là. Et normalement, si vous faites point d'exclamation Discord, vous l'avez aussi dans le chat et vous pourrez carrément cliquer sur le lien. Donc, cette documentation, elle est intéressante à plusieurs titres. D'abord parce qu'elle est faite par quelqu'un qui bosse chez Google aux dernières nouvelles et qui est assez, qui a l'air d'être assez impliqué dans Kubernetes. Et ensuite, parce que en gros, le principe, c'est d'aller installer tous les composants un par un. Donc c'est un truc qui est intéressant, je pense, à faire au moins une fois quand on veut découvrir Kubernetes. Et c'est parce que justement, je veux découvrir Kubernetes. Je suis pas absolument pas un expert Kubernetes. Donc y a très certainement des gens qui sont bien plus experts que moi dans le chat, si ça se trouve. L'idée, voilà, c'est de découvrir ensemble tout ça à un détail près. C'est que le lab, la manière dont est conçu, cette documentation, c'est fait pour être installé sur Google Cloud Platform. Alors, ce qui est, c'est à la fois chouette et pas chouette. Ce qui est chouette, c'est que Google Cloud Platform dispose d'un essai gratuit. Donc pendant 3 mois, je crois que vous avez, je sais plus, c'est 100, 200 ou 300 dollars de crédit. Donc vous pouvez popper des VM pour jouer toute cette doc-là. Entre vos sessions, bah, vous éteignez les machines virtuelles, comme ça vous coûte rien. Donc ça c'est une bonne chose. La mauvaise chose, c'est que si jamais vous voulez continuer ce lab après, faut quand même payer. Alors, normalement, c'est précisé au début que bon, ça coûte pas très très cher, a priori. Mais il n'empêche que si jamais parmi vous, il y a des étudiants, par exemple, et que vous êtes, à quelques dollars par mois près, ben, ça peut jouer. Donc, je préfère quand même vous prévenir. Donc moi, ce que j'ai décidé, c'est que comme j'avais une machine relativement bien dimensionnée sous mon bureau, je me suis dit, je vais me lancer dans Kubernetes The Hard Way, mais comme on dit en anglais, on-premise, donc pas sur Google Cloud, mais sur ma propre machine. Donc j'ai mon petit serveur, mon petit home lab, sur lequel vous pouvez voir là la liste. Je suis dans Virtual Machine Manager, je me suis connecté à distance, et comme vous pouvez le voir, il y a masse de machines virtuelles là-dessus. Alors elles sont toutes éteintes, mais il y en a 7 qui sont allumées. Et en fait, la première est plus là pour faire du... alors j'ai pas envie de dire un bastion ou un point d'accès. Et les 6 autres sont les machines du labo Kubernetes The Hard Way. Je vais donc me connecter. Alors avant de me connecter à ces machines-là, dernier petit détail, il faut que j'aille dans un autre repo. GitHub. Alors c'est un repo à moi par contre.
Et qui est du coup Minogs. Hop. Terraform. Hop. Terraform. On va faire un petit init. Ok, ça c'est bon. Si je fais un refresh, normalement il va me dire. Voilà, parfait. Donc là, j'ai mes IP. Alors non, absolument pas, Matt. C'est pas du CTF. Ça pourrait être une idée. Enfin, j'ai jamais osé faire de CTF en live, mais je pourrais. Ça fait partie des idées. En fait, j'espère pouvoir boucler bientôt le sujet Kubernetes. Parce qu'en fait, avant Kubernetes The Hardware, j'ai fait pas mal d'autres trucs. J'ai fait notamment du K3S. Et j'aimerais bien pouvoir boucler cette série de streams pour pouvoir justement passer un peu à autre chose avant d'y revenir plus tard. Et il y a des trucs, notamment cybersécurité, que j'aimerais refaire. Je suis pas non plus un expert cybersécu. En plus, il y a pas mal d'autres streamers qui en font aussi. Je me rends compte d'ailleurs que je vous ai même pas demandé, pour celles et ceux qui étaient arrivés avec le raid, qu'est-ce que vous avez fait de beau chez Chaos Farbotti. Mais je suspecte que du coup c'était du CTF. J'avais fait un stream ou deux où j'avais fait un peu de sécu. Pirate Talk, ok. J'avais fait quelques streams avec de la sécu, j'en avais fait. Alors normalement je crois qu'il est dispo en replay sur ma chaîne YouTube. J'avais fait quelques streams sur un outil de scan de vulnérabilité. Qui est du coup le Greenbone, enfin OpenVAS plus les trucs de chez Greenbone. Et j'avais fait du root.me, un petit peu je crois, juste des trucs de débutants. Bref, là j'ai lancé des commandes Terraform. Alors vous allez me dire, mais Nils, on a signé pour du Kubernetes. C'est qu'en fait j'ai déployé mes machines virtuelles en utilisant Terraform. J'ai créé un petit dépôt qui permet de se lancer des labs assez facilement. Je vais d'ailleurs en profiter pour vous filer le lien de ce dépôt. Parce que ça peut toujours servir d'avoir un moyen de lancer rapidement un lot de machines virtuelles identiques. Ça s'appelle ManyNodes. Donc en gros, c'est juste un repo qui contient tout ce qu'il faut en Terraform. Pour pouvoir se lancer, voilà, un petit labo de plusieurs machines virtuelles identiques. Et on peut bien entendu configurer le nombre de CPU et de RAM. Alors tout ça se fait sur KVM Libvirt. Bien, j'ai envie de dire bien entendu, mais non, c'est peut-être pas forcément évident pour tout le monde. Donc voilà. Alors ça fait beaucoup d'intro quand même pour un retour de vacances, mais c'est peut-être nécessaire. Alors, Node 0, c'est l'IP 137. Est-ce que je m'étais mis ? Je crois que je m'étais mis. Je sais plus si je m'étais mis des trucs SSH, non, a priori, non. Hop, allez. Si, bon, j'y étais. Zut, j'avais fait CTRL-C un peu vite. Ok. Donc là, je suis sur Node 0. Tmux, on sait jamais, ça peut servir. Et ensuite, je crois qu'ici, ce que j'avais fait, c'est que je m'étais lancé, je crois, un Tmux. J'avais fait ça, et donc je mettais ce que je faisais, c'est que je me mettais node 1, 2 et 3, et ensuite je mettais node 4 et 5 et 6 sur une autre machine. Hop. Alors vous remarquerez que les numéros ne se suivent pas, c'est que les adresses IP ont été prises par Terraform de façon un peu aléatoire. Le truc me dit qu'il y a plein de mises à jour, je vais pas les faire. En toute sincérité, je vais pas les faire. Enfin, c'est un truc qui est de toute façon pas connecté à Internet. Donc, c'est un peu... tant pis, c'est pas grave. Hop. Allez. Voilà. Ah, comment ça... Oui, j'étais pas sur la bonne machine. Hop, ici. Et
Voilà. Voilà, parfait. Là, je suis sur node 4. Là, je suis sur node 1. Là, je suis sur node 0. Merci à toi, Ugur42, pour le follow. C'est très gentil. Merci beaucoup. Je me suis connecté à mes 7 machines virtuelles. Je vais jeter un œil à mon history. Nous avions a priori... Ah, je me demande si je me connectais pas directement sur les autres machines pour faire les trucs. Bon, c'est pas grave. A priori, là, il n'y a plus rien. Si je vais là, il y avait quoi dans l'history ? Pas grand-chose. Pourquoi j'ai été mux ? Enfin, j'ai... Je pensais avoir des trucs plus... Non. Je pensais que j'avais un peu plus d'historique que ça. Ah, bah voilà, si. J'avais fait pas mal de choses. Ok. Bon. On va pouvoir... Ah oui, d'accord, je m'étais fait mon petit confort sur la machine Note 0. Alors, maintenant, on va reprendre... où est le... Hop, voilà. Où est-ce que j'en étais resté ? J'ai même pas pensé à aller regarder, par exemple, mon ancien... Ma vidéo précédente, en me disant, tiens, il faudra que je regarde où est-ce que j'en étais resté. Alors, le control plane, ça me dit un truc. Ça aussi. Donc, normalement, si ça se trouve, on doit avoir un cube controller manager qui doit être quelque part en train de fonctionner. Donc, on va regarder ça. Ici. Effectivement, on a un ETC. Alors, allez, systemctl. Bon, à la limite, je peux faire hop, sudo systemctl. Hop, less. Ouf, alors, on va faire pipegrep cube. Donc, a priori, on a un cube API server qui tourne. Ok, donc ça, c'était fait. Et ce qu'on va peut-être même pouvoir faire, c'est revenir quand même, parce qu'il dit après 10 secondes, normalement il est initialisé. Ok, donc on doit pouvoir... Ah oui, je me rappelle, on avait fini, je crois, on s'était installé un load balancer quelque part, Nginx. Je sais pas si on l'avait mis sur node 0 par hasard. Si, on a un Nginx qui tourne. Ah ouais, mais là, j'ai rien du tout, tiens. J'avais pas fait de cœur, là. Oh. Ok. Ouais, parce que j'avais peut-être fait un curl local, pipe, enfin, slash else z. Tiens, je vais le refaire, peut-être, du coup. Curl, http... Alors, on peut peut-être carrément regarder la config Nginx, parce que si ça se trouve, j'ai configuré ça. Site enabled. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? J'ai un default et j'ai un default SSL. Le default, il n'y a pas grand chose. Et le default SSL, si ça se trouve, on l'a collé dans le default SSL. Ça me dit un truc, oui, je me rappelle. Je crois que c'est parce que, en fait, je l'avais fait sur le default SSL. Parce que le truc ici, il était. slash. Ouais, j'avais fait un truc Kubernetes. Alors, pour celles et ceux qui seraient pas forcément familiers avec la configuration de Nginx. Donc là, on a un bloc serveur. Donc on définit ce qu'on appelle, par exemple, c'est la même chose qu'en terminologie Apache. On appelle ça un virtual host. Pas de soucis, Manon. Tu fais des cartons, bah bon courage. Si c'est pas indiscret, c'est un déménagement. Si c'est le cas, je compatis. Moi, je n'aime pas déménager, j'aime pas faire les cartons. Mais en tout cas, c'est très gentil de passer, dire coucou en tout cas. Et on pense très fort à toi, Manon.
Donc en gros, on écoute sur le port 443, c'est le serveur par défaut, donc il écoute partout, hein, il est pas sur une seule IP. Il est en IPv4 et en IPv6, mais bon, c'est un réseau local privé, donc j'ai mis le truc IPv6, mais un peu par réflexe. On a un certificat SSL par défaut, de mémoire, je crois que je l'avais généré à l'arrache en mode auto-signé. Ça, on s'en servira pas forcément, mais ça, c'est la racine du coup du chemin. Je peux mettre des fichiers là-dedans et ils seraient accessibles normalement. Et du coup, là, on a pareil, on a l'index avec les pages d'index possibles. Ouais, il n'y a pas de server name, donc il n'a pas vraiment de nom. Et le location fait ce qu'on appelle un proxy pass directement vers une zone. Enfin, vers un truc qui s'appelle https://kubernetes-hardware. Donc, il n'y a pas de point, pas de truc. C'est qu'en fait, si je regarde dans les conf.d, kubernetes-hardware, on a en fait ce qu'on appelle une directive upstream qui fait en fait du load balancing vers 3 IP qui semblent être les contrôleurs. Hop. 101, 185, 171, c'est ça, c'est les contrôleurs. Donc je peux faire un curl, https, alors du coup on va faire un curl -k, hop, https://127.0.0.1/2.443/ tout court en fait. Voilà. Par contre il me dit failure, user system anonymous cannot get path, slash. Donc, il faudrait que je fasse un slash else z. Et là, il me répond OK. On l'a pas forcément vu. Je vais hop, revenir là. Je relance mon curl. Et on voit là, il y a un petit OK tout à gauche. Je sais pas si vous le voyez bien. Mais on l'a vu. Donc, ça, a priori... Ah bah voilà, il était là. Ah oui, on pouvait jouer avec le host. Mais ça, c'est... Si on fait un grand... Ah oui, un grand H et un grand... Ah oui, un petit... Hop. Ça, on devrait les voir, du coup, les... Voilà, celle-là, c'est mieux. Bon, on a toujours le petit OK qui est là, qui traîne. Mais on peut voir qu'on a des trucs Kubernetes. Et ça, c'est cool. Alors. Airbag for Kubelet Authorization. In this section... Alors, front-end load balancer. Let's check. Est-ce qu'on l'avait fait ça? A priori, maintenant, si je fais un slash version, je devrais avoir des trucs intéressants. Mais il faut que j'utilise l'adresse IP publique. Qu'est-ce qu'on avait mis comme public IP adresse? Oula. Donc c'est pas sur le node 0. Non, j'aurais peut-être dû les noter quelque part. J'avais pas pris de notes dans le truc. Je crois qu'il y avait des... Allez, grep public. Dans l'étoile. Ah, bah voilà. Donc le Kubernetes public IP address est 10.242.0.2. Donc a priori, il faudrait que je puisse faire un petit... Ah oui, avec le ca.pem. Je dois avoir un ca.pem qui est quelque part par là, non? Ouais, j'ai le ca.pem. Ok. Donc... Donc j'ai dit que c'était 10.240.0.2. Fail to connect. Ah. Donc on n'y était peut-être pas encore arrivé. Ou alors, si je refais les... si je réutilise les adresses IP de mes camarades, des trucs.
Donc la 101, 185 et 171. Hop. Si je fais la 101 déjà. Ouais, ça j'y arrive. La 100, 185, c'est bon aussi. Et la 171. Hop, c'est bon aussi. Et ça, c'est cool. Ça, c'est très cool. Alors. Alors, on va peut-être revenir. Du coup, un peu plus haut. Donc ça, a priori, on l'avait fait. Mais si ça se trouve, en fait, si je fais... Si je reprends mon curl, celui-ci, et que je fais inversion, il se passe quoi? Bah, il se passe qu'il me donne la même chose, en fait. Il se passe qu'il me donne la même chose. Donc si ça se trouve, on l'avait... On l'avait peut-être fait comme ça. Alors. On va quand même vérifier. A priori. On a créé. Alors, il y a un cluster role à créer avec des permissions pour accéder à l'API kubelet. Et kubectl apply. Est-ce que j'ai kubectl là-dessus? Ouais, je l'ai. Et normalement... Ah non, là c'est carrément du... C'est même pas il crée un fichier, c'est... Et c'est 4 dans... Ok. Et je suppose que si je fais un history, pipe grep, c'était quoi, kubectl. Ok, est-ce que je l'avais pas fait à la main? Le dernier truc que je vois, c'est le SCP Encryption Key. Kubernetes, nanana. Parce que là, toute la partie gcloud, ça, du coup, je ne la fais pas. Mais du coup, j'ai le slash version, donc je suspecte que c'est bon, en fait. Donc on va être optimiste. On va être optimiste. Tiens, j'ai un admin.kubeconfig qui est là. Donc ça, c'est plutôt bon signe. Allez, eh ben, on va faire les workers. On va faire les workers. Alors, en gros, le principe, c'est qu'en fait, donc, on a 6 machines. 6 machines virtuelles. Il y en a 3 qui sont là pour être les... ce qu'ils appellent les... Hop, j'ai oublié le nom. J'avais oublié le nom. Là, là, là. Voilà, le control plane. Donc là, c'était vraiment le contrôle du cluster, en fait. Donc sur les 6 machines, il y en a 3 dont le job, c'est de s'assurer que le cluster tourne, que le cluster tombe pas. Donc si jamais il y a une des 3 machines qui se casse la figure, bah c'est pas grave, il en reste 2. Si jamais il y a 2 machines qui se cassent la figure, et ben il en reste quand même une. Et c'est toujours ça de prix. C'est ce qui fait qu'on peut par exemple avoir les 3 machines sur 3, par exemple, alors, je vais pas dire 3 data centers différents, mais au moins sur 3 machines physiques différentes. Et ça fait qu'on peut avoir un peu de haute disponibilité. Donc là, il faut lancer sur les workers. Et donc les workers, ce sont les machines qui vont réellement exécuter des conteneurs. Alors, si je veux provisionner un worker node, alors, ah oui, alors, le truc de Temux, hop, on va aller le refaire tout de suite, puisqu'en gros, le truc de chez Kubernetes The Hardware propose d'utiliser Temux de façon optionnelle, mais... On peut faire shift 2 points et faire un set synchronize pane on pour lancer des commandes en même temps sur des machines. Donc là, sur les nodes 4, 5 et 6 qui vont être les workers, ce que je peux faire, c'est que je peux faire CTRL A, shift. Voilà. Alors non, c'est pas rename window, c'est. Hop.
Voilà, et là maintenant je peux écrire set synchronize tiret pains on. Voilà. Et là du coup, si je reviens ici et que je fais ls, vous voyez les ls, ils sont au même endroit. Donc, je peux faire un petit uname. Moi, on va dire srm par exemple. Voilà. Bien. Hop, on revient ici. Donc a priori, sudo apt-get install socket contract ip7. Je les avais pas déjà fait. Bon. Allez. Alors j'ai pas fait l'apt-get update avant parce que vu qu'il m'a dit eh oh ta masse de mise à jour, c'est qu'à mon avis il l'avait déjà fait en arrière-plan. Disable swap. Ah, ok. Hop. Tiens, j'ai pas de swap. Ouais, j'ai pas de swap sur la machine. Donc ça, c'est plutôt... ça m'évite de faire un swap off. Ok. Ensuite, il y a les binaires à récupérer à la main. Et ben, allons-y. On fait un gros copier. Puis on fait un gros coller. Bim. Je suis content de pas avoir le faire trois fois. Voilà. Coucou Google, je suis en train de télécharger plein de trucs chez toi. T'as mon IP maintenant. Enfin, tu l'avais déjà avant. Bon, à part ça, comment ça va vous? Comment ça va cette rentrée? Quoi de beau, quoi de neuf dans le chat? Alors ensuite, on a toute une installation de répertoire à faire. Enfin, une création. Donc, allez hop, c'est parti. Ah bah oui, tiens, c'est bizarre, il me l'avait pas... Ah non, tout à l'heure, j'avais fait juste un wget. Ah, mais j'avais fait des sudo tout à l'heure. Bon, paste anyway. Allez, hop. On va installer les worker binaries. Ah oui, c'est vrai que Rancune, si je puis me permettre, je sais pas si je dévoile grand chose, mais Rancune est dans l'enseignement. Et quelque part, moi un peu aussi, hein. Mais c'est pas mon job principal. Donc ça c'est fait. Donc ensuite il faut copier. Ah oui, hop, on va tout désarchiver et tout copier. Hop là. D'ailleurs je suis assez content, hein. Moi du coup ma rentrée universitaire c'est le 27 septembre. 17 années, t'as toujours pas eu ton DUT. Tu sais que ça me rappelle un film, ça. Ça me rappelle un film avec Ryan Reynolds. Alors c'est pas forcément un monument du cinéma, hein. De toute façon, en même temps, Ryan Reynolds, à mon souvenir, il fait plus vraiment du divertissement, de la comédie que du film d'auteur. Mais en gros c'est un film où Ryan Reynolds, il est toujours à l'université après genre plus de 10 ans. Et en fait, il vit un peu au crochet de son père, qui visiblement est uber riche. Et en fait, un jour, le père lui dit, bah écoute, il serait peut-être temps que t'aies ton diplôme, donc je vais te couper les vivres si t'as pas ton diplôme à la fin de l'année. Et donc, bah, il doit absolument passer ses examens. Passer ses partiels. Alors, où en étais-je, moi? Alors, je me rappelle plus du nom du film. Je crois qu'en plus, le nom du film est pas pareil en VO et en VF. Alors, du coup... Donc ça, on l'a fait. C'est ça? Hop. Non, MKDIR. Ouais, ça, on l'a fait. Et maintenant, CNI Networking. Alors, retrieve the pod CIDR range for the current compute instance. Pod CIDR curl. Alors, ça, c'est un truc, faut que je fasse gaffe. Parce que quand il fait des trucs comme ça, quand il fait des curls chez metadata.google.internal, ça, c'est des trucs que je peux pas accéder. Et c'est des trucs... c'est des trucs que... comment dire, il faut que je remplisse moi-même. Est-ce que par le plus grand des hasards, si je reviens ici sur Node 0 et que je fais un grep pod dans étoile, est-ce que j'ai un truc? Je vais faire un pod CIDR. Non, j'ai rien.
API server, admin config, scp config. C'était quoi celui-là? Parce que ouais, j'avais le public IP address qui était en 10.240.0.2. Je me demande si j'avais pas fait un truc avec ces trucs-là, 10.240. Hop. Donc les 10.240, ça c'était... Alors je me demande si j'avais pas... Non. Non plus. Je crois que il gère des... je crois qu'il gérait lui-même des trucs. Je vais pas le mettre... Je crois qu'il faut pas que je le mette sur le même sous-réseau. Je crois qu'il va falloir que je revienne dans... Dans les trucs d'avant. Pour voir où est-ce qu'on en... hop. Parce que je me demande s'il parle pas des, de ça au début. Alors. Prérequis, client tool, compute resource. Hop, prérequis, bon ça c'est... Hop, GCP. Nanana. Nanana. Les client tools, bon ça de toute façon, juste par précaution, mais ça c'est juste. Vas-y, copie les... vas-y, copie kubectl, compute resource. Alors. Donc on a un range en 10.240. Ok. Et le internal, là, c'est... On a un 10.200.0.0/16. C'est peut-être ça. C'est peut-être ça. Et... Ah, il y a eu un petit bip. Hop là. Je crois que je sais d'où ça vient. Et... Voilà. Alors. Donc a priori ce serait ce range là, je pense. Vu que là on a un truc de compute firewall rules de Google Cloud. Et en gros il dit au fait en interne entre les machines, au fait tout ça c'est ok au niveau firewall. Donc si ça se trouve, ce sera ça le sous-réseau des pods, donc des conteneurs. Je veux juste m'en assurer. A priori. Ouais, voilà. Pod CIDR. 10.200$. Ah, 10.200$. i.0/24. Et private network. Ah ah. Et il fait pour 0, 1 et 2. Ah, du coup, il fait 3/24. Mais alors du coup le pod va pas être le pod CIDR va pas être le même pour les machines. Alors on va relire. Ah oui. Donc pour chaque compute instance, pod CIDR va pas forcément être le même. Ok. Ok, je vois. Je comprends mieux. Alors, dans ce cas-là, ce que ça veut dire. C'est que si je reviens ici, il va peut-être falloir que je désactive le truc où je tape une chose et il y en a trois qui s'affichent. Hop. Donc set synchronize panes off. Synchronize panes off. Alors pour l'anecdote, je crois que je l'avais déjà dit dans d'autres vidéos, mais si vous n'êtes pas à l'aise avec Temux et avec le Synchronize Panes, vous avez aussi Cluster SSH qui marche bien pour faire ce genre de choses-là. Et en fait, Cluster SSH, il propose un petit champ, et en fait, vous tapez dans ce petit champ, et vous avez genre X fenêtres avec une connexion SSH par machine, et vous voyez les choses s'afficher. Donc en gros, moi si je reviens ici, il va falloir que je fasse un petit export pod CIDR. Alors, export pod CIDR. Hop. Remarque, je suis peut-être pas obligé de le faire en export, hein, je fais juste ça.
hop, il sera égal. Donc ici 10.200.1.0/24. Peut-être mettre des côtes quand même, ce serait pas mal. Puisqu'il disait bien for 0, 1 et 2, hein, c'est ça? Ouais, for 0, 1, 2. Hop là. Bah du coup, je me suis trompé. Si c'est 0, 1 et 2, ici c'est 0, 0. Voilà. Ça, c'est fait. Et ensuite... Oups, il manque le égal. Mais du coup, Rancune... Enfin, je m'adresse en particulier à Rancune, mais les autres peuvent aussi me dire comment se passe leur rentrée. Si t'es à l'université... Remarque-toi, c'est plus la pré-rentrée. T'as pas encore eu les étudiants, peut-être? Si, peut-être? Je sais plus. Je sais plus, mais si, je crois que j'avais eu une année de DUT où je démarrais début septembre. Parce que j'ai fait un DUT, moi aussi. Je crois que j'avais une année où ça démarrait avant les autres. Ma deuxième année, je crois. Parce que justement, comme il y avait le stage, fallait démarrer plus tôt. Alors, et ensuite, on crée le bridge. Donc là, je vais revenir à nouveau sur le... Et vous êtes déjà lancé. Ah là là. Ah, ça doit foncer vite. Hop. Allez, on fait un set synchronize. Pains on. Voilà. Ah là là, mes souvenirs d'électronique de DUT. L'amplificateur opérationnel. Je serais un fichu de le refaire. Hein. Je serais un fichu de le refaire. Donc là, il y a juste à copier 4 ETC. D'accord. Alors, qu'est-ce que ça fait quand même? Parce que ben, on va essayer de... Comment dire? On va copier-coller, mais on va copier-coller intelligemment, un minimum. Donc, en gros, il crée un fichier dans slash etc cni net.d. Et... Ah oui, d'accord. Donc, en fait, toute la partie... donc, cni, c'est le truc qui va gérer la partie réseau, en fait. Et là, en fait, on le configure à la main. Et donc, chaque... Chaque worker va avoir son propre subnet dans lequel mettre des VM. Enfin, pas des VM, des conteneurs, pardon. Donc là, normalement, si je fais ça, pif, paf, pouf. Donc on a bien un 10200 ici, un 10201 et un 10202. Parfait, nickel. Et ensuite, on doit créer, pareil, visuellement, un réseau de loopback. Enfin, une interface peut-être de loopback. Hop là. Non, pas ça. Voilà. Ok. Et on va configurer containerd. C'est vachement pratique quand même ce truc là pour copier-coller comme ça. C'est génial sur GitHub. Hop, le config Tom. Alors, qu'est-ce qu'il raconte? Ouais. Overlay FS. Nanana. Ok, soit. Bim. Et ensuite, on crée une unité systemd. Emile n'est pas là, c'est bon, on peut parler de systemd. Hop. Alors. Et ensuite... Oh tiens, on le lance pas tout de suite, le truc? Ok, configure the kubelet. Sudo mv de la hostname. Attends, j'ai rien compris. Dollar hostname key. Ah ouais, ok, c'est bon, on les avait transférés dans une vidéo précédente. Ah oui, et puis c'est pas node. Pourquoi node? Ah, attends, node 4-key.pe. Ah oui, c'est qu'il faut que je fasse hostname. Ah oui, c'est qu'il manque le FQDN. Tu vas finir avec un kernel panique à invoquer Lennart comme ça. Eh, vous croyez qu'il apparaît si je dis trois fois son nom? Lennart. Ah, faut peut-être te dire... C'est peut-être le nom de son logiciel qu'il faut dire trois fois. Alors,
System D, System D, System D. Non, personne. Bon, ça marche pas. C'est pas comme Beetlejuice. Et ben du coup, on va refaire ici la même. Sauf que, on va dire, à chaque fois, ça va être hostname.minynodes.local. Hop. .minynodes.local. Hop. .minynodes.local. Alors, pourquoi minynodes.local? Ouais, même ça, ça marche pas. Point local. Voilà. Allez. Non, toujours. Ah, mais... Ok. Là, je l'ai écrit. Alors, si ça se trouve, ça va refaire des échecs parce que... parce qu'il y a des trucs qui sont passés. Voilà. Mais normalement, ça devrait être bon. Ensuite... Parce que là, pareil, est-ce que j'ai truc du genre hostname? Ouais, j'ai truc du genre hostname, donc il va falloir que je... Hop. Alors, je vais le faire. Voilà. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est aller éditer le fichier. Hop, avec VI. Sudo vim. Oula, une fois, pas deux. Salut à toi, Nidouille. Bienvenue. Bonne rentrée. J'espère que t'as passé, un bon début de rentrée en tout cas. Et un bon week-end. Mais ouais, je vais pouvoir faire une variante de je stream sobre. Moi, c'est je casse pas système D, moi. Enfin, en tout cas, je l'ai pas encore cassé. Je dis ça parce que pour l'anecdote, une heure avant le début du stream, j'ai fait des mises à jour sur toutes les machines qui allaient être utilisées, toutes les machines physiques qui allaient être utilisées pour le stream du jour, et j'ai presque pas eu problème. Comprendre, j'ai eu des petits soucis mineurs pour lesquels soit j'avais un plan B, soit je n'avais pas de problème, enfin soit je pouvais résoudre le problème rapidement. Mais attends, mais ça... Hop. Ok. Alors. Si je fais ça, c'est bon pour... Putain, c'est bizarre ça, je peux pas... Hop. Et Nidouille. Week-end, nickel, mais rentré sous le signe d'un gros... Oh, bah mince alors. Bah écoute, j'espère que ça ira mieux très vite pour toi. Plein de... plein d'encouragement pour que tu ailles mieux. Alors, du coup, si je fais un... Ah. Bon, bah si le moral est là, ça ira mieux très bientôt alors. Je me fais pas de soucis pour toi. Je vais peut-être désactiver le Synchronize Pane. Synchronize paint off, voilà, et on pourra faire un 2.% node 4 slash node 4.mininodes.local. Voilà, ça c'est bon. Node 5 .mininodes.local. Voilà. Ça, c'est bon. Hop. Et ensuite, ici, pareil. Node 6. Alors, je crois que je pourrais faire un peu... je pense, optimiser. Je crois qu'il y a moyen d'optimiser. Pareil, je crois que si je l'avais fait à coup de 7, j'aurais pu optimiser aussi. Faut juste que je l'apprenne et que je le retienne, en fait. Comme ça, il n'y a pas besoin d'écrire deux fois notre 6. Hop, ça, c'est fait. On va pouvoir faire à nouveau un petit set synchronize.
Stains à On. K8S, c'est ton Némésis, Nidouille. Ouais, bah. Alors, moi, je dirais pas que c'est mon Némésis. Je dirais juste que j'essaye de me tenir à la page, en fait. Tout simplement. Alors, ça, c'est fait. Donc, maintenant, on a encore un. Encore une unité système D. Eh ben, dis donc. Avec un pas de. A priori, pas de variable. Donc, c'est plutôt bon signe. Allez, hop, il n'y a plus qu'à copier-coller. Voilà. Ensuite, configurer le Kubernetes proxy. Je sais absolument pas à quoi sert ce bignou-là. Et créer un fichier config. Ah oui, d'accord. Et là, on a tout le. Donc, en gros, nos trois sous-réseaux qu'on a créés. Via CNI, enfin dans la config CNI pour nos trois workers, et ben le slash 16, et ben il les prend tous, et même d'autres. Donc, hop, on va copier. Et on colle. Voilà. Tiens, d'ailleurs, c'est marrant, hein, on voit mode IP table. C'est aussi pour ça que j'ai voulu rester vraiment dans les clous sur ce Kubernetes The Hardware, enfin dans les clous, toute proportion gardée, je me suis dit que normalement le faire dans des VM, KVM en local devrait pas être trop galère. J'espère pour l'instant, ben, comme on a rien de vraiment lent, enfin si on a lancé 2-3 trucs, mais quelques adaptations, mais a priori pour l'instant ça se gère. Mais j'ai vraiment utilisé les OS indiqués avec les versions indiquées et je fais pas les mises à jour sauf si nécessaire. Justement à cause de ce genre de choses là, c'est que pour celles et ceux qui ont suivi les épisodes d'avant, avant de faire Kubernetes The Hardware, j'avais tenté de faire du K3S, j'avais tenté de faire du Rancher et j'avais voulu insister et le faire sous Fedora en gros Kubernetes fait probablement partie de ces projets où visiblement ils utilisent encore pas mal de config IP table et certaines distribs un peu on va dire un peu avant-gardistes sont déjà passées à NFTables et parfois c'est pas évident. On va dire que ça raye un peu les rétros pour être gentil. Donc ça c'est fait. Ensuite créer le que j'ai fait config proxy config YAML, ok, et encore une unité systemd. Hop là. Ensuite ah voilà, ensuite on va, avec toutes les unités systemd qu'on a créées, on va pouvoir enfin tout relancer. Alors remember sur chaque node, ouais, ça sur chaque node, ça c'est bon. Et donc ensuite sur un des contrôleurs, on peut faire un kubectl get nodes. Hop, allez. Donc on va aller sur les contrôleurs ici. No resources found. Ah. Alors, je suppose qu'il faut attendre un petit peu. Si je reviens ici et que je fais un sudo systemctl status container d actif, ah alors qu'est-ce qu'on a dans les messages, no CNI config template is specified, what, ok. Donc on va peut-être avoir des soucis. Ensuite, il y avait kubelet et kubeproxy. Kubelet running. Error. Error getting node. Ouais, je sens que mon histoire de FQDN, là, ça va peut-être poser problème. Hein. Donc là, déjà, on a un souci avec kubelet. Et ensuite kubeproxy. Unable to write event.
Oula, ouais, bon bah j'imagine que c'est lié, hein. 10-240-02, connect nos routes to host. Ah. Ah. Ok, bon, eh ben, va falloir qu'on débug, hein. Alors. Quand même relancer le truc, des fois que par miracle entre-temps, mais j'ai comme un doute. Ouais, nos ressources. Bien, bien, bien. Allez. Hop. Ah non. Synchronize-pains off. Voilà. On va revoir ça. Allons-y. Donc, ça normalement, si je fais un dpkg moins moins list socket, c'est bon. Contract, c'est bon. IP7, c'est bon. La swap, ça, on avait vu qu'il n'y avait pas de souci. Ça normalement on les avait créés, normalement il n'y avait pas de soucis. Les workers binaries, normalement on devrait être bon. Normalement, si je regarde OPT-CNI bin, j'ai des trucs dedans. Et c'était les plugins. Alors, hop, moi, HL RT. Ouais, bon, de toute façon, les fichiers, on les date des. Ok. Et normalement, dans USR local bin. USR local bin. Kubelet, kubectl, kubeproxy, cricctl, enfin cricctl, runc. Kubeproxy, kubelet. Alors, cricctl, kube. Ouais, on les a tous. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, donc ça c'est bon. Et normalement dans slash bin, il y avait. Slash bin. Ah. Alors forcément avec les noms des trucs. J'aurais préféré qu'ils les mettent plutôt dans un USR local, mais ok. Je sais pas ce qu'il y avait là-dedans, mais bon. Soit. Donc si ça se trouve, ETC, CNI, CNI, alors. Remarque, je suis en train de me dire, ETC host, est-ce que j'avais fait des trucs là-dedans? Ah, j'avais pas forcément fait les trucs qu'il fallait dedans. Parce qu'en fait, si je suis un cadre du 10 bridge, c'est vrai que. Ouais, non, ça c'est que du. C'est. Ok, soit. Et dans containerd. Config.toml. Donc j'ai bien config.toml. Et dedans. Bah, a priori, la conf, voilà, elle est pas. Alors, est-ce que je me suis planté sur des trucs ici? Non. Par contre, le kubelet, alors, on va aller dans varlib kubelet kubeconfig. Hop. Donc j'ai un fichier kubeconfig. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il donne un certificat. Il donne un serveur. Ah, il y a un serveur. Ah, ouais. Alors, ce 10.240.0.2, va peut-être falloir qu'on voit comment le. Système, node. Ok. Alors, c'est censé correspondre à quoi ce truc? Parce que c'est vrai que là, le 10.240.0.2, ça
Ça fait 2-3 fois que je sais plus. Oh punaise. Oh punaise. Alors. Ça par contre, je pense qu'il va falloir qu'on le réédite encore. C'est qu'en fait là, cluster.local 10.32.0.10, ça c'est pas bon. Ça c'est pas bon du tout. Hop. Voilà, 10.240.0.1. Et ce sera pas cluster.local, du coup, ce sera maininodes. Alors, je suis pas sûr que ce soit forcément une bonne idée, mais... Ah, alors, la configuration resolve.conf, elle est utilisée pour éviter des boucles en utilisant core DNS pour le service. Ouais... Ouais. Je suis perplexe. Alors, je vais tenter comme ça, on verra bien. Mais je suspecte que ça fait encore partie des moments comme ça où on tombe sur des spécificités Google Cloud. Et... Malheureusement, il faut faire quelques modifs. Alors, comment dire? J'aurais pu utiliser, je sais qu'il y a pas mal de gens qui ont forqué cette documentation et qui ont décidé de le faire, comment dire, de modifier en fait la documentation justement pour gérer le cas de figure, les cas de figure en utilisant KVM. Sauf que j'ai préféré utiliser le guide officiel parce qu'à chaque fois ça m'avait l'air pas toujours ultra ultra fiable. Je les ai pas forcément testés, mais voilà, bien souvent ça partait. Ça dépendait des systèmes d'exploitation qui étaient utilisés, c'était pas toujours pas toujours très propre. Je me suis dit, on va utiliser le truc officiel. Donc ça c'était la config de Kubelet. Donc on va peut-être relancer le service Kubelet. Sauf que je vais toujours avoir le problème. Alors je sais plus où est-ce qu'il était, c'était quel autre fichier où j'avais un 10.240 en 0.2. Ah oui, varlib kubelet kubeconfig, je crois. Ouais, c'est celui-là. Mais il vient d'où celui-là? Le varlib kubelet kubeconfig. Alors, si on revient sur les premiers trucs. Voilà, alors ce qui génère les fichiers. Alors, si je fais kubeconfig. Là, il n'y est pas. Hmm.
Kubeconfig Kubernetes moins serveur égale. Donc c'est ça. Ah, ouais. Donc finalement, moi, l'adresse IP publique, ce que je vais sans doute vouloir faire, c'est utiliser celle de node 0, quoi. Parce que c'est lui mon load balancer au final. Donc ce serait 10.240.0.137. Sauf que je l'ai pas mis sur le port 6443. Je vais le tenter. Je vais le tenter comme ça, tiens. Allez. On va. On va le tenter comme ça. Allez, soyons fous. Donc, j'ai dit que mon node 0, c'était 137. Et on va dire 443. Hop. Voilà. Et donc, si je reviens hop, tout en bas, et que je relance ces trois services-là, et qu'ensuite je tente un cube. Alors là il le dit sur un contrôleur 0. Hop, donc moi c'était node 1. Hop là. Node 1. Ah, toujours pas. Alors déjà, est-ce que si je fais un petit système CTL status container D. Container D, il dit quoi? Il dit qu'il a démarré. Je vais quand même vérifier. Hey, ah non. No CNI config template is specified. Wait for the drop the config. Ok, soit. Si ça se trouve, c'est le message est complètement. Et ensuite, kubelet. Fail to contact API server. Node. Cannot validate certificate because it doesn't have any API size. Oh là là. Oh là là. Ok. Oh, ça commence à devenir. Ça commence à devenir intéressant là. Hein. Donc a priori. A priori, il est pas con. Mais ce que je suis en train de me dire, ouais, non, mais si, il me faut un load balancer en fait. Il me faut un load balancer, ou alors, ah, j'ai une idée à la con. Est-ce que ça vaudrait pas le coup, dans ce cas-là, de lancer un... d'installer un... mince. Un Keep Alive D sur les contrôleurs. Je pose la question, hein, mais... Parce que, en fait, là, globalement, si je pige bien... Salut à toi, Tobish. Non, alors l'IP pour utiliser kubectl avec le point cube, c'est l'IP de l'API contrôle plan qui est sur tes nodes master. Ouais. Sauf que, en fait, j'ai pas de... Alors... En fait, ce que je suspecte, Tobish, c'est que cette IP, ce soit...
ce soit une IP qui soit filée. Qui soit filée sur les. Comment dire? En fait, ce que je pense, tu me diras si je me trompe, hein, par rapport au truc qui est indiqué au Kubernetes Hardware, c'est qu'en fait. L'adresse IP en question, c'est une IP qui est load balancée via les services Google, en fait. C'est qu'en gros, à un moment, on crée un load balancer au niveau de Google Cloud. Si je me rappelle bien, il y a un moment, on fait... alors, pas les client tools. Compute resources. À un moment... voilà, Kubernetes public IP address. Donc ça, il ouvre une IP dédiée. Compute instance, Kubernetes worker, verification, SSH. Alors, s'il y en a un. Balancer. Alors, hop, non, là, il n'y a rien. Alors, authentication, non. Voilà, c'est ça. Each Kubernetes. C'est une IP que tu mets dans le fichier de création des masters dont j'ai oublié le nom, mais je vais te le retrouver. Ah, chelou ça alors. Parce que oui, j'avais configuré une. Alors. Non. grep-ir 10.240.0.2. Étoile, non, passe. Là où je mets le pod CIDR. Oh là. Parce que en gros, là, il y a un cube API server.service. Hop, dans sudo. Allez, sudo. Sudo vim. Hop. Donc là, effectivement, il advertise l'adresse. Bind. Hop. Mais à un moment, il dit. Voilà, il dit service account issue. Non, service account issue. Parce qu'en fait, là, quand il fait un advertise address, il donne son IP à lui. Donc, à moins qu'il faille que j'advertise l'adresse en 02. Ça se teste, hein, ceci dit. Ça se teste. Je modifie l'adresse, je reload et puis je. Je reload systemd et puis voilà. Parce que moins c'est. Attends, il est où celui-là? Kubectl config set cluster. Gna gna gna. Kubernetes public IP address. Kubeconfig. Ah, mais ça, c'est la config kubeconfig pour les workers. Celle que, du coup, je modifie. Proxy. Configuration file. Kube scheduler. Donc là, il est en 127.0.0.1. Tu cherches sur ta conf, mais aussi le problème, c'est que le certificat qu'il te donne pour .kubeconfig est fait pour l'adresse de l'API du control plane. Ok. Mais ça, à la limite, si... parce qu'en fait, moi, je pense que pour mes... si je reviens ici sur Node 0, en fait, tous les fichiers que j'ai générés, de toute façon, si je fais un grep public IP... Mince, public alors. Hop. C'est voilà, le Kubernetes public IP, public adresse est 10.240.0.2. Donc ça, normalement, ça devrait être cette adresse-là que je devrais réussir à configurer quelque part. Tu vois, quand je génère les fichiers kubeconfig, donc a priori, ce sera cette adresse IP-là qu'il faut que je trouve le moyen de mettre quelque part. Si j'arrive pas à la faire porter par les masters, je la ferai porter par mon node 0 qui est le load balancer. Mais l'idée que du coup je pensais,
c'était que dans ce cas-là, j'allais peut-être mettre un si jamais j'arrive pas, c'est de mettre un... mince. Alors, le note 0 sur mon load balancer, j'ai mis un Nginx. Tout ce qu'il y a de plus bête et méchant. Oui, remarque, j'aurais pu utiliser HAProxy, mais je suis pas encore assez à l'aise avec HAProxy pour te... comment dire, pour écrire des confs comme ça. Mais c'est vrai qu'avec HAProxy, je me demande si en mode... s'il n'y a pas un moyen de lui dire carrément, vas-y, mets-toi en mode TCP brut, et comme ça, en fait, il n'y a pas à s'embêter avec les certificats. Ça peut être une option parce que là j'ai mis Nginx, je l'ai mis en plus sur le port 443. Donc le 6443, je peux coller un HAProxy dessus. Mais sinon, la méthode, j'ai envie de dire, à l'ancienne, que j'aurais pu tenter, c'est de mettre sur les masters un... mince, je l'ai dit tout à l'heure en plus. Un Keepall AFD. Et Keepall AFD prendra l'IP 10.240.0.2. Et du coup, elle sera portée sur un des masters, et si le master se casse la figure, et ben, paf, ça change. Mais bon. Ah, tu as retrouvé le fichier. Cool. Raconte-moi tout. cubeadm.config. Oh là. Alors. cubeadm.config. Il est où ça? Là j'ai rien. Si je fais ça, sudo-i. Dedans tu déclares tes deux TCD, pardon. Find slash moins type f moins iname. cubeadm, parce que si ça se trouve en fait on le génère avec .config. Hop. Ouais, peut-être que je lui ai donné un autre nom. Si jamais tu le souhaites, biche, et si c'est pas un truc de prod, tu peux utiliser mon propre paste si tu veux copier-coller le fichier. Que je vois quelle tête il a et que je puisse regarder moi à quoi ça correspond. Alors. Si jamais tu le souhaites ou si tu veux, tu peux l'anonymiser un peu avant. Hein. Ah, tu mets dedans le API serveur. Alors. API serveur. Dans étoile. Allez. Ah, j'ai rien du tout. Alors, grep-i. Hop. Parce qu'en gros, si je comprends bien, je vais revenir sur les... parce que là, je suis sur lequel. Hop, les contrôleurs. Normalement, j'ai le Kubernetes API serveur sur les trois contrôleurs. Et justement, c'est celui-là, en fait, hop, quand je descends tout en bas. Oui, effectivement, je devais taper sur l'adresse IP publique. Et en fait... Ah, il y a une forwarding rule... Moins target pool. C'est ça, en fait, j'ai l'impression que à côté
Côté Kubernetes The Hard Way, en fait, ça, c'est fait d'une façon. En gros, c'est Google Cloud qui le balance. Si je comprends bien. Et donc, en gros. Effectivement, je vais peut-être pas y couper, je vais peut-être mettre un. Peut-être moyen que je colle un achat proxy. Alors en 20 minutes, je sais pas si j'aurai le temps. Ou alors, je peux utiliser mon Nginx, mais. Bah si, normalement j'ai tous les fichiers en fait. Il n'y a pas de souci, Rancune. Je te souhaite une bonne fin de week-end, un bon dimanche, bonne soirée à toi aussi, à bientôt, et merci, merci encore d'être passé, merci encore pour ton sub et tes cheers, et à bientôt, puisqu'à priori, de toute façon, j'ai tous les trucs d'autorité de certification qui ont été générés. Donc à la limite, je peux peut-être même en fait utiliser, parce que j'avais juste généré des certificats à l'arrache. Oh, merci beaucoup Rockune pour les bits. Merci beaucoup. C'est très gentil à toi. Ouais, donc en fait, avec tout ce qui a été créé là comme certificat, si ça se trouve, en fait, suffit que je regarde qu'est-ce qui est utilisé pour les... J'ai voulu faire à l'arrache, mais en fait, il y a moyen de faire peut-être moins à l'arrache. Alors, il dit quoi? Client CA file. Ah, super, voyons voir ça. Hop. Merci pour le paste, hein, Tobi. Hop, allez. API version. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Ah, mais en fait, toi, t'as tout installé via kubectl, je suppose. Ah, c'est ça, name server. Parce qu'en fait. Flannel service, on n'y est même pas, on n'y est même pas sur ce truc là. Control plane endpoint. Alors. Je suis pas sûr d'avoir encore un fichier comme ça en fait. Ça dans l'étoile. Ouais, j'ai rien du tout de ça en fait. Mais du coup, ton achat proxy, il est comment dire, il est situé où par rapport au comment dire, par rapport au worker et au contrôleur node, il est situé sur une de ces machines là ou C'est ça, voilà, le fichier, tu l'installes avec kubeadm, ok. Donc en fait, kubeadm te permet de déployer ton cluster, alors que là, nous, on fait vraiment les choses à la main, et donc en fait, on n'utilise pas ce type de fichier, je pense. Si je comprends bien. Hein. Je pense que je vais tenter d'utiliser les... Alors... pour l'instant, non, je suis pas en kubeadm. Bah, j'utilise Kubernetes The Hard Way. Hein. Donc le truc, il est vraiment en mode tu sais, c'est le, j'ai envie de dire dans le monde se divise en deux catégories. Il y a ceux qui ont le pistolet, il y a ceux qui creusent. Ben là, moi, je suis en train de creuser en fait. donc.
Donc, ce que je me dis, c'est que je vois deux manières de faire. Soit je rajoute une IP sur le node 0 et je. Soit je rajoute une IP sur le node 0 et je lui rajoute aussi les certificats. Et comme ça, je rajoute ça dans le Nginx. Je pense que ça peut se faire, ça, comme ça. Et il faut juste que je revoie. Parce que là, en gros, il me dit quoi? Varlin, ca.pem. Etcd, ca.file, ca.pem. Kubernetes.pem. Ouais, c'est ça. Mon Kubernetes, c'est mon kubernetes-key.pem. Kubernetes API server kubernetes.pm. Voilà, c'est ça. Donc si ça se trouve là déjà, si je fais OK, d'accord, tu le mets sur le même réseau que les mains. D'accord. Alors je vais le tenter. Home Nils. Omnils, Kubernetes key et kubernetes.pem. On va le tenter comme ça. Alors, hop, on va faire un petit. Oups là. Pas de soucis, Nidouille. On va. Ouais, il nous reste un bon quart d'heure. En tout cas, c'est très gentil d'être passé, Nidouille. Merci à toi. Ah, je t'ai pas dit, au fait, j'avais vu la vidéo où tu apparais. C'était super chouette. Bravo. Et bonne soirée à toi aussi. Hop. Donc, je suis pas sûr que Nginx apprécie que je fasse ça dans Omnils, mais hop. Omnils kubernetes.pem. Hop, avec un point virgule, sinon il va râler. Je suis le roi de l'oubli des points virgules dans Nginx, hein. Voilà. Alors, après, je sais pas ce que j'ai mis comme port sur mes masters. Oui, oui, j'ai bien mis. Et tu rediriges sur le port par défaut et tu parles pour le. Oui, bah, en fait, alors. Là, sur le Nginx, je suis sur le port 443. Je vais peut-être le passer en 6443 après. Mais déjà, est-ce que. Restart Nginx. Ok, il a restarté. Status Nginx. Il est bon. History, pipe, grep, curl. Hop. Ça marche toujours. De toute façon, j'ai pas de vérif des certificats côté Nginx. Et du coup, si je reviens sur mon truc ici, où là, je l'avais modifié justement en disant 10240-0137. Voilà. Si je relance kubelet, est-ce que ça passerait? Ou est-ce qu'il va chouiner? Hey, ça passe! Ça passe! Oui, j'ai quand même les kubelets sur les masters et les notes parce que je les ai installés à la main. Je les ai installés à la main parce que le tutoriel Kubernetes The Hardware te dit tiens, tu wget ça, tu les copies dans USR local sbin ou bin. Alors, et du coup, si je vais à nouveau sur le node 1 et que je refais, non, toujours pas. Ok, c'est kubelet dans 100 kubeadm. J'avais pas pisté. Pas de souci. Mais ça pourrait être marrant un jour que du coup j'utilise kubeadm pour monter un cluster Kubernetes. Comme ça. Donc. Donc, si je reviens ici, c'était quel fichier que configurer ? Hop, donc
là, a priori, on est en 1940-02. Donc, ce que je me dis, c'est que ouais, je vais peut-être. Mais il n'y a pas de souci, Tebiche. Il n'y a pas de souci. J'ai envie de dire chacun son truc. Alors. De toute façon, Kubernetes de hardware, ça n'a jamais été fait pour faire un Kubernetes de prod, hein, je crois. Ça a toujours été plus pour apprendre et voir les composants, comment ils sont, comment ils s'agencent entre eux. Alors, est-ce que Ubuntu ETC Network, est-ce qu'ils utilisent encore ETC Network Interface? Ah, flûte. Ouais. Après, en vrai, je me demande si je suis pas en DHCP quelque part. Cloud Init. Ah oui, je crois que je suis en DHCP et que du coup. Ouais, je suis en DHCP. Netplan. Alors. Netplan. Ah. Pour être honnête avec vous, j'utilise tellement rarement Ubuntu que je n'ai jamais, du coup, réellement... D'accord, donc a priori, il faut déjà que je désactive. Hop. Je mets ça. Voilà. Et ensuite, bah, on va aller chercher vite fait sur Google. Enfin, sur Google, non, sur autre chose peut-être. Ubuntu netplan config, hein. Ubuntu netplan configuration, hop, alors netplan Ubuntu fr, ça m'a l'air pas mal ça, voilà, nickel, allez, donc DHCP4, et bon on va le dire false, hop, tu vas peut-être faire pareil sur le DHCP6, hop. Du coup, ça, comme ça, on va peut-être le laisser. Hop. Et du coup, il faut que je mette addresses. Et donc, je suis sur la 137. Voilà. Et moi, c'est 10.240. Hop. 10.240.0.137. Hop, la gateway 4 qui sera donc 10.240.0.1. Hop, name server. Hop, et ben addresses. Pof, comme ça, et de toute façon ce sera la même. Voilà. Et ensuite, si jamais je veux rajouter une IP en plus. Si jamais je veux rajouter une IP en plus. Alors, a priori, de ce que je vois sur directement sur le site d'Ubuntu, tiens, d'ailleurs, je vais linker tout ça parce que ça a l'air quand même fort pratique. Tac, celle-ci, bonding, bridges, VLAN,
A priori, je dois faire DP aliasing juste en rajoutant un truc ici, parce que là, on a une liste. Et dans Netplan, tiens, sur le wiki d'Ubuntu, hop. Ça a l'air plutôt pas mal. Design overview, network config format, général structure. Tac, complexe example. ID 0. Parce que s'il y a un complexe example, avec un peu de chance, il y a de l'IP aliasing quelque part. Bridges route. Oh, ou pas. Ou pas, en fait. Ah si, voilà. ID 0, match, MAC address, wake-on-LAN, DHCP4, adresse. Voilà, il y en a deux. Donc, on doit pouvoir... Je dois pouvoir, ce que je dois pouvoir faire, c'est que je peux, si je pige bien, hop, je fais ça, et en fait, si j'ai bien précisé, ah, j'ai peut-être pas bien, voilà, et donc ici, je peux faire un petit 10.240.0.2/24. Voilà. Et alors, comme je suis une brute, hein, ce que je pense que je vais faire tout de suite, c'est plutôt rebooter la machine. Hop. Et on va espérer très fort qu'elle reboote proprement. Et comme je suis très, très sûr de moi, c'est-à-dire qu'en fait, la confiance n'exclut pas le contrôle. Et on va aller, hop, console série. Donc... Il a booté. Il a booté. Maintenant, est-ce que j'arrive à m'y reconnecter? Oui! Ah! Si je fais un IP ADDR show, j'ai les deux. Nickel. Ah, ça c'est chouette. Donc si je vais ici et que je tente un ping de la 10.240.0.2, elle répond. Elle répond. Et ça c'est classe. Que je vais pouvoir faire, c'est je vais même tenter un truc ici. J'ai un curl ou pas? Ouais, j'ai un curl. Curl moins k moins i https. Alors 10.240.0.2 2.443/version. Hey, ça passe. Hop, et j'ai mon petit OK là. Moi, il y a écrit OK Nils at node 1. Donc ça, c'est plutôt bon signe. Ça, c'est plutôt bon signe. Donc, ce que je peux faire, c'est d'aller dans la conf Nginx. Et ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être tenter. Est-ce que je peux faire. Est-ce que je peux tenter. Je sais plus pour les directives listen, j'ai un trou de mémoire. Je vais le tenter comme ça. Ok, donc a priori, il va écouter sur le port. Alors, je sais pas si le firewall va pas nous embêter, mais on va aller vérifier ça tout de suite. Hey, ça passe! Voilà, ok. Bon, bah maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir retourner sur notre... ici, notre truc. Donc c'est celui-ci, où là, cette fois-ci, on revient, on remet à nouveau .0.2. On lui dit que c'est à nouveau 6443. Parce que ça, ça ne change pas. Voilà. Et je vais pouvoir relancer Kubelet. A priori, il est bon. Donc là, ce que je vais peut-être faire, c'est revenir... Hop. Je vais revenir ici. Alors, pour le moment, je suppose que ça, c'est toujours pas bon. Mais je pense que ça, je vais faire un petit restart de tout ça sur les trois bécanes. Hop. Voilà. Restart. Voilà. Ici, pareil. Ah, j'ai vu un truc.
j'avais fait. Ouais, ok. Hop, un restart aussi. Et pareil ici, un restart. Et c'est là qu'on se dit que j'aurais peut-être dû activer à nouveau la synchronisation des pains. Merci Tobiche pour le GG, mais on n'y est peut-être pas encore. Donc là, normalement, si je refais un petit status... Alors, je sais pas si je peux faire un status de tout ce petit monde. Container Day, il me dit quoi? Il me dit qu'il y a toujours cette histoire de NoCNI config template, mais on va bien voir ce que ça donne. Kubelet, a priori, au niveau des logs... Ah, j'ai un failed. To contact API server, not yet forbidden. Non. Non. Arrête. Ça avait l'air de marcher. Ça avait l'air de marcher. Ensuite, cube proxy, lui dit quoi? Failed. Système forbidden. Note 4. Ok. Ouh là. Alors, on va la refaire. Cœur moins K moins I. Ah, j'ai le tête en tant que route. Moins I HTTPS. Alors, on a dit 10. Point 240. 240. Point 0.2 de point 6443 version. Ça répond. Ça répond. Par contre, si je le fais avec... Il y a moyen qu'on dise à curl d'utiliser une CA. Tac tac tac, curl SSL CA certificate. Oui, it's about trust, ça je me doute bien. Moins moins CA cert. Ok. Donc si je fais un petit... si je reprends mon cœur là. Hop. Et que je fais moins moins CA cert. Ça. Hein. File. Donc CA.pem. Ça marche. Donc ça déjà c'est plutôt bon signe. Je dirais même c'est très bon signe. Si je comprends bien le bignou. Ah, oui, je suis pas dans le... var lib kubernetes. Hop. Et non, c'est pas... Bon, d'accord. Hop. Ok. Donc ça a l'air de fonctionner dans les deux cas de figure. Dans tous les... Enfin, dans les trois cas de figure. Je suppose que si je refais un kubectl get nodes ici, sur le contrôleur 0, à mon avis, il va me dire nope. Voilà, no resources found. Nope, nope, nope. Alors, il est déjà 20h04. Bon, on va peut-être se laisser quelques instants de plus. Et on va essayer de voir. Parce que là, pour le moment, ça a l'air d'être, comment dire... Ça a l'air d'être plutôt pas mal. Si ça se trouve, il y a peut-être une autorisation à la con quelque part. Qu'on a loupé. On va la regarder vite fait. Sinon, sinon j'essaierai peut-être de regarder ça soit dimanche prochain, soit hors stream. Je pense qu'il faut que je revienne. Je serais curieux, je vais tenter un truc, on sait jamais sur un malentendu. Je vais rebooter le Note 6.
sait jamais. Sur un malentendu, des fois. Je sais, c'est un peu windowsien comme réflexe, mais... Parfois. Je dis bien parfois. Salut la taupe, bienvenue. Alors, ce que j'essaye de faire avec K8S, c'est de monter un cluster K8S à la mimine. Complètement à la mimine, via le tutoriel de Kelsey Hightower, Kubernetes The Hard Way. Il y a des gens, ils installent des Linux from scratch, et moi je tente un Kubernetes from scratch, en fait. Alors si ça se trouve, en plus le cluster domain, je l'ai peut-être laissé en cluster.local dans des configs. Est-ce que ce serait pas ça? Cluster.local. Local dans l'étoile. Ah. Ah ouais, effectivement. Effectivement. Peut-être ça qui pose problème. Et si je fais un grep. Si je fais un grep de. Alors par contre, la taupe. Bonne chance. Eh, merci. K3S, et c'est parti. Mais j'avoue que niveau. Bah alors, K3S, la blague, c'est que je me suis cassé les dents dessus en fait. Je me suis cassé les dents dessus. Mais c'est, je pense que j'utilisais. Je l'avais dit un peu plus tôt, mais il n'y a pas de souci, t'étais pas là. En fait, j'avais voulu faire du K3S, peut-être pas forcément avec les bonnes distrib Linux. Et là, en fait, j'essaye de le suivre à le plus proche possible, la doc. Le seul détail étant que, c'est quand même un sacré détail, c'est qu'au lieu de suivre le tuto de Kelsey Hightower sur Google Cloud, comme il souhaite qu'on le fasse, moi je le fais sur une machine en local avec un Linux et KVM et Virt. Et je voulais chercher... 10.240.0. Effectivement, je crois qu'il faudrait que je retouche ça et que je mette cluster.local en fait. Ah non, c'est pas ce truc-là. C'était quel fichier? C'est quel fichier qu'on avait? Ah, mais ça, je suis sur Node 1. Là, je me trompe toujours. Ah, voilà, varied Kubernetes. C'est bon. Ah non. Hop, c'est celui-là. Kubelet, je crois. Hop. Kubeconfig. Oui, c'est celui-là. Avec... le... Non, c'est pas celui-là. Ouais, si, c'est celui-là. J'avais mis manynodes.local. Allez. Donc lui, ce sera toujours cluster.local, en fait. Mais du coup, je suis pas très sûr que ça passe. Il va falloir que j'installe un autre DNS à côté. Hop. Alors finalement lui, ouais non il va chouiner je pense, voilà, hop il chouine, là il chouine encore, Node 6 forbidden,
Fail to watch. Ouais. Allez. Hop. Allez. Cluster.local. Voilà. Hop, on sait jamais sur un malentendu. Et du coup, en fait, je reviens ici et je peux tenter un... No resources farm. Ah, toujours pas. Et de toute façon, je suppose qu'en termes de... Ok, et lui, fail to ensure these exist, kubelet nodes not sync. Node 4. Unable to register, node with API server, node is forgiven, forbidden. Alors, je pense qu'on va aller, entre guillemets, chercher le message sur Internet. Kubelet node status. Allez. Hop. Kubelet node status. Après... Le unauthorized, alors, à quoi ça ressemble ça? Alors, allez, accepte. Heureusement, c'est un navigateur jetable. Hop là. C'était là. Ouais. Ça n'a pas l'air d'être la même chose que nous. Hein. Oui, remarque, journal, c'était elle, moins eu Kubelet. On va aller regarder un petit peu mieux. Hop. Hop là. Alors. Il y en a des choses. Voilà. Alors, kubelet node not in sync. Failed to contact API server when waiting for CSI node publishing. Node is forbidden. User system2.anonymous cannot get resource. Alors. Ça, ça a l'air intéressant comme message d'erreur. On va peut-être le rechercher aussi. Storage, je m'en fiche. Kubelet. Ah, tiens. Closed. Ah. Et le truc est en allemand, ok. I have to update the airbag rules for the CSI driver to work. C'est quel fichier ça? C'est un truc avec des verbes.
Ok. J'ai rien de ça. Fixe airbag. Alors attends, il y a un diff quelque part? Ah non, il y a une. Il y a une merge request avec un commit qu'on va pouvoir regarder. Deploy Kubernetes Ash Cloud CSI. Alors attends, je suis dans quoi là? Etzner Cloud CSI Driver. D'accord, je suis complètement pas dans les. Je suis complètement pas dans les trucs. Bah, ouais, c'est pour ça que ça parle allemand. C'était chez Etzner. Bon. Ça par contre, c'est chez. La solution a été de mettre le hostname override option for kubelet to the same name as on the certificate, node 1. Ah, est-ce que par hasard... Alors, si je reviens ici... Parce que normalement, j'ai les... J'ai les certificats ici. Et je l'ai appelé node4.mininodes.local. Ah, ok. D'accord. Donc, effectivement, il y a peut-être moyen de faire un option moins moins hosting. Alors, où est-ce qu'il faut que je le mette? Pour Kubelet. Alors, ça veut dire qu'il faut que j'aille hop, que j'aille remodifier du coup la config de Kubelet. Voilà, qui est celui-ci. Remarque, ça se trouve. Vim. ETC. Systemd. Système. Kubelet. Voilà. Et à mon avis, là-dedans, on doit pouvoir mettre. Hop. Moins moins. Hostname-override. Voilà. Ah, zut. Hop. Moins moins hostname override égale, je suppose. Ok. Ok, je vois. Et donc là, ce serait du coup node4.many nodes.local. Ensuite, sudo systemctl, c'était quoi? Reload? Reload daemon, je crois. Non, c'est quoi déjà? C'est quoi déjà la commande système? CTL reload unit. Non. Daemon reload. Voilà, daemon reload. Non, c'est reload daemon. Non, c'est daemon reload. Voilà. Reload. Voilà. Et ensuite, sudo systemctl restart kubelet. Voilà. Et ensuite, on peut refaire un sudo journal. Voilà. Non, toujours pas. Ah non, toujours pas. Donc ça suffit pas. Ou alors il faudrait que je remette autre chose. En tout cas, il l'a bien pris en compte, hein, le hostname override. Ok, bah écoutez, il est déjà 20h20. Je pense qu'on va en rester là pour aujourd'hui. Ce sera du coup. On va essayer de faire marcher ça la semaine prochaine, dimanche prochain. Pop, 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 pom. Oui, bah de toute façon.
je pense que ce sera pas mal de s'arrêter là. Très bien, et ben on va pouvoir revenir comme ça. Ah zut, cette histoire de chat qui disparaît, c'est un peu dommage. Va falloir que je travaille ça. Bon, et ben c'était quand même très intéressant. C'est quand même très intéressant. J'ai quand même le sentiment d'avancer un peu. Merci Tobiche pour ton aide d'ailleurs. Ça m'a permis de mieux comprendre d'ailleurs un peu où se situe quelque part où se situait cette adresse IP là. Et ça m'a permis de mieux comprendre un peu la tambouille que fait Kelsey Hightower avec tout le truc Google. J'espère que ça vous a intéressé aussi. De toute façon, on continuera ça dimanche prochain, puisque jeudi, ce sera le Lab Ascode avec du Terraform, de l'Ansible, à gogo normalement. Voilà, voilou. Si jamais vous voulez voir la suite, et ben c'est donc pour la partie Kubernetes, c'est donc le dimanche de 18h à 20h. Bon, elle pousse, je commence un petit peu plus tard. Si vous voulez voir mes autres streams, et ben c'est le jeudi sinon de 20h à 22h, donc en ce moment pour le labo en infra à Ascode. Et sinon, vous avez toujours les replays sur Twitch pendant 2 semaines. Et ensuite, quelques temps plus tard, ils viennent sur ma chaîne YouTube. D'ailleurs, en ce moment, j'ai réussi à poster un certain nombre de lives. Il y avait notamment justement la découverte de Google Cloud avec Terraform. Et il y avait aussi justement des TP pour débuter sous Linux pour monter un serveur web, si jamais le sujet vous intéresse. Voili voilou. Sinon, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, tout est indiqué en dessous, et vous pouvez toujours faire point d'exclamation socials dans le chat. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne fin de week-end, un excellent début de semaine, et je vous donne rendez-vous jeudi. Bye bye.